Rana, DJ Fred Tahiti, voilà un petit tutoriel pour s'enregistrer en live avec la DJM900 Nexus de Pioneer. Là, pour faire la petite démo, j'ai branché mes Technics, tranquille, avec mon vieux vinyle tout pourri. Alors, comment ça marche? C'est simple. Sur le site de Pioneer, faut chercher le driver DJM900 Nexus Driver for Windows. Ça marche sur Windows 8, Windows 7, et là, je suis sur Windows 10. Alors, c'est tout simple. Télécharger, installer. Ensuite, ici, il y a un port USB. Une fois que vous l'avez installé, il faut le brancher. Voilà, c'est branché. Une fois que c'est installé, ça s'ouvre tout seul. Quelques secondes. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. L'autofocus. Voilà. Output, input. Input, on peut voir que channel 1, il a reconnu que je suis en phono. Ça, c'est top. Ça, c'est cool. Donc voilà. Après, vous ouvrez votre logiciel. La SunForge 11. Nouvelle page. Break. Petite démo. So why is it got to be so damn tough? Ah, donc petite démo, ceux qui veulent enregistrer le vinyle directement en numérique avec la DJM900 Nexus, c'est easy, c'est facile, 2-3 mouvements. Tu peux enregistrer ton set de DJ facilement. Yes, DJ Fred Tahiti.